Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce 19e colloque du CIERA. Je vous prie tout d'abord de noter que la traduction simultanée français-anglais vous est offerte en sélectionnant Interprétation au bas de votre écran. Please note that simultaneous translation is provided. Just select Interpretation and then choose English or French at the bottom of your screen. Avant de commencer, nous venons d'apprendre une très triste nouvelle, soit le décès de ce grand homme qui était Serge Bouchard. Le CIERA souhaite communiquer ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous aurons l'occasion de lui rendre hommage ce soir au cours de la soirée artistique. Aujourd'hui, nous aurons donc deux ateliers qui disposent d'un lien Zoom chacun. Et à la suite du deuxième atelier, vous êtes conviés à rester avec nous quelques instants, puisque la direction des cahiers du CIERA nous présentera ces deux derniers numéros. Avant de céder la parole à Ariel Frenette, qui présidera le prochain atelier, quelques rappels techniques pour la période de questions. D'abord, il vous sera possible donc de poser vos questions en utilisant le Q&R, le Q&A, et nous pourrons lire vos questions. Il vous est également possible, pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, d'écrire vos questions dans le fil de commentaires, questions qui seront relayées dans le Q&R par notre équipe. Et finalement, pour ceux qui assistent sur Zoom, il vous est également possible de lever la main à partir de l'icône qui se trouve au bas de l'écran. Nous vous transférerons ensuite virtuellement, bien entendu, dans la salle pour que vous puissiez poser votre question. Je vous présente donc tout de suite Ariel Frenette, qui présidera le premier atelier de cet après-midi. Ariel Frenette est titulaire d'une maîtrise en géographie à l'Université Laval qui portait sur la création de parcs nationaux au Nunavik. Elle a commencé en 2019 un doctorat en géographie sous la direction de Caroline Desbiens de l'Université Laval et de Julia Christensen de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Ses travaux de recherche s'intéressent notamment à l'environnement du Nord, à la mise en récit des territoires nordiques et à leur portée dans le façonnement de l'imaginaire collectif. Ariel, je te cède maintenant la parole. Merci. Bonjour, Kwe. Bonjour à tous. Merci Geneviève pour la présentation. Bienvenue donc à ce deuxième panel du colloque annuel du CIERA qui porte sur la mobilité, l'urbanité, l'itinérance, les itinérances et le bien-être. Donc, on a quatre présentations cet après-midi. J'inviterai les quatre panélistes à se présenter. On peut faire un petit tour de table pour commencer. Je vous invite à être bref dans une petite présentation. On peut commencer peut-être par Christopher Fletcher. Bonjour, bon après-midi. Christopher Fletcher, médecine sociale et préventive, Université Laval. Je suis anthropologue de formation. Merci pour être là. Mathilde Lapointe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mathilde Lapointe, je suis professionnelle de recherche au CHUC et aussi pour la chaire sur les relations avec les sociétés inuites et j'ai une maîtrise en anthropologie médicale de l'Université Laval. Notre troisième présentation est co-présentée par Madame Doris Farget et Léa Serrier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon nom est Doris Farget. Je vais laisser Léa se présenter dans un instant. Je suis professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Léa, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Enchantée. Je suis la coordinatrice justice et sécurité publique à Femmes autochtones du Québec et très contente de présenter aujourd'hui. Et enfin, Marie-Charlotte Pelletier de Conin. Oui, bonjour. Je suis au doctorat en anthropologie à l'Université de Montréal sous la direction de Robert Crépeau et je m'intéresse au concours de Miss et Mister Telena, une communauté autochtone du Brésil. Voilà. Bienvenue à tous. Je vous remercie d'abord de votre intérêt pour le colloque et d'avoir
je vous remercie d'avance pour le travail que vous avez mis dans vos présentations. Donc, la façon dont ça va fonctionner, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va présenter, on va y aller avec les quatre présentations une après l'autre et ensuite, on va avoir une période de questions communes à la fin. Donc, les présentations sont de 15 minutes. Je vous avertis quand il reste une minute. Pour ceux et celles qui ont des questions sur le webinaire, vous pouvez, comme Geneviève l'a mentionné, les adresser dans le Q&A en bas de la page. Sur Facebook Live, on va avoir quelqu'un aussi qui va surveiller les commentaires. Donc, on peut commencer tout de suite avec M. Fletcher qui va interroger en fait la place des Inuits dans le système de santé au sud du Québec. Et notamment sur la non-existence, si je peux dire, de services culturellement adaptés aux Inuits, contrairement à d'autres grandes villes canadiennes. Donc, je vous laisse la parole, M. Fletcher. Merci beaucoup. J'ai préparé quelques diapos pour animer un peu la présentation. Ce matin a commencé pour moi avec une petite visite imprévue chez le dentiste. Donc, mes diapos sont toujours en anglais, mais... Je vais présenter en français quand même avec peut-être quelques digressions en anglais. J'espère que vous comprenez. Je vais partager mon écran pour aller chercher ça. Donc, je vais partir mon chronomètre. Voilà. Good. Je vais fermer ça. Voilà. Est-ce que vous voyez les diapos? Oui, on voit très bien. Il suffit de commencer le diaporama. Oui, OK. Good. OK, donc merci beaucoup pour l'invitation et pour avoir organisé ce panel très intéressant, très inspirant. Comme d'ailleurs ça a été hier, j'ai vraiment aimé les présentations. Donc aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour... parler d'un projet en cours qui s'appelle le projet Khanavikatsakhanimiut, qui veut dire comment va la santé des gens dans le sud. Et c'est un projet de 5 ans avec plusieurs partenaires, plusieurs membres de l'équipe. Donc, Mathilde Lapointe fait partie de notre équipe. Elle va présenter sur d'autres dimensions du projet. Je souligne la contribution des collègues Bilal Riva, Ariane Benoit, Marie-Claude Lianney, Tina Pisotti, Ali Château-Québec et autres dans l'équipe. Comment je fais pour... Donc, c'est ça. Comment vont les gens dans le sud? C'est une question qui suit un peu l'évolution des études de santé dans le nord, Khanavi-Lirpita, qui, Khanavi-Lirpita veut dire comment vont les gens, Khanavi-Lirpita veut dire comment vont les gens maintenant. Nous, on a pris cette tendance et on a développé le projet Khanavi-Lirpita, comment vont les gens dans le sud. Je souligne le fait que le projet, c'est un partenariat de fonds et d'envergure avec l'Association des Inuits du Sud du Québec. Et c'est une approche assez complexe, sequential, quali, quanti, méthode mixte, community-based, action-oriented, qui fait pas mal des traits d'union, mais c'est en plein ça. Je reconnais la contribution des IRSC, ArcticNet et ITK au financement du projet, dont l'objectif est de décrire la santé des gens dans le Sud de façon systématique et informée par la culture, mais aussi avec le but ultime d'informer de façon culturellement appropriée et le développement ultime des services pour les Inuits dans le sud du Québec. Un petit contexte, je vais passer à travers ça rapidement, mais comme Ariel a dit, en fait, il n'y a pas de données sur la santé des gens dans le sud, donc il y a un gap important. Il y a augmentation dans la disparité sociale, économique et de santé entre les Inuits dans le nord et les Autochtones et dans le sud aussi. Beaucoup d'évolution rapide de la situation de la population dans le sud. Selon Statistique Canada, 27% de la population Inuit demeure maintenant hors de la région des Inuit-Nulanga. Et la population urbaine au Canada est
en croissance de 3 à 4 fois plus vite que la population at large. Donc, population agrandit, se complexifie et qui mène également un développement de capacité parmi les organisations dans le sud, des fois liées avec le nord, des fois dans le cas de SQIA dans le sud. Il manque des services qui étaient nommés. Et en 2017, on a reconnu, on a commencé l'étude avec au même moment que l'association des Inuits du Sud a été créée. Donc, on a créé le projet. Bien, l'association a été créée et a soutenu comme un des 3 premiers pas dans ce mandat le projet. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais prendre quelques minutes pour explorer un peu cette notion de place. Là, quelle place pour les Inuits dans les services de santé du Québec, du sud du Québec? Place dans son sens conceptuel et philosophique un peu. En anglais, on fait la distinction entre space and place. Là, il y a beaucoup de littérature autour. Je sais qu'en français, on a eu le même genre de discussion. J'aimerais parler brièvement de la question de place ou espace à 3 niveaux. Donc, la géographie des services disponibles actuellement selon les résultats de l'étude, un espace épistémique pour penser et vivre la santé, et troisièmement, l'espace culturel et la distribution, en fait, culturelle des futurs services potentiels. Donc, pour le premier point, la géographie des services, en regardant la carte, la distribution des services, c'est une géographie d'absence, selon moi. Il y a très peu de services désignés pour les Inuits. On parle de surtout à Montréal, mais il y a quand même des populations inuites à Québec, Val-d'Or, Gatineau, Sherbrooke aussi, et un peu partout. Donc, à Montréal, où on voit la plus grande concentration de populations autochtones au Québec en milieu urbain, il y a quelques services, Centre d'amitié autochtone et d'autres choses qui existent, mais souvent c'est... ces services sont désignés à une notion d'autochtonie générale, très, très peu pour les Inuits, très, très peu. Ce qui existe, existe dans une géographie du bénévolat. Il y a des médecins et des organisations qui desservent la population de façon bénévole, là, médecins du monde. Chez Doris, il y avait un psychiatre, il y a un psychiatre qui participe. Il y a quelques options de temps en temps pour les femmes inuites à Montréal. Mais de façon générale, on parle d'un niveau de service qui est lié non pas à une façon normale et officielle de faire des services, mais une façon qui porte sur le qui est menée par la bienveillance des gens, des médecins, etc. Donc, c'est pas normal dans un sens administratif. C'est aussi une géographie marquée par une distance. Là, chez Home, là, pour plusieurs, ça demeure le nord. Et pour plusieurs personnes, ou au moins quelques personnes avec qui on a interpellé, retourner dans le nord, c'est la façon d'aller voir un médecin qui est un peu... qui demande jusqu'au point que 2 choses. Donc, les services dans le Nord sont appréciés et les gens sont intégrés. Et deuxièmement, comment, jusqu'à quel point dans le Sud, les gens ont tendance à ne pas accéder ou pas connaître comment accéder à les services disponibles. C'est une perception d'un énorme challenge, un défi très grand pour plusieurs d'aller trouver un médecin, aller trouver où aller chercher du soin quelle porte à rentrer. L'hôpital à Montréal, le Glen, c'est un énorme building qui est très difficile
à gérer pour certains. Non? Et aussi, dans la géographie des services, un sens de déjà-vu, lors de notre terrain à Montréal, on a assisté à une séance de dépistage de tuberculose à Cabot Square, centre-ville de Montréal, lieu connu pour des Inuits, surtout des gens en difficulté. Et là, une énorme van avec un équipement hyper moderne arrive, s'installe devant où l'hôpital général des enfants, l'hôpital des enfants de Montréal a été, qui n'est plus là, donc une autre absence. Et les gens étaient appelés de rentrer dans le camion, qui me fait penser exactement à la situation il y a 50, 60 ans dans le Nord, quand le bateau Nascopi et l'autre arrivaient dans les villages pour faire le dépistage de la tuberculose. Donc, un déjà-vu all over again, comme on dit. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'y a pas d'autre façon de gérer ce genre de problème est une question à voir. Donc, je vais sauter ce diapo pour aller dans le deuxième point, qui est un epistemic space, là, la façon de comprendre et vivre la santé et bien-être ne sont pas présents dans le Sud, donc ça demeure un espace, moi je pense à ça comme un désert épistémique là, qui a son analogue dans la notion de désert de nutritionnel où il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est pertinent? Bien, le lien entre les gens et les services de santé sont liés par les façons de comprendre c'est quoi la santé. Donc, la distanciation entre les gens et le système mine à la santé. Ça met l'emphase sur la foreignness là, des Inuits et du Sud pour les Inuits. Et ceci est en contraste avec les services offerts à Nunavik, Nunavut également, où le tout est mené par les Inuits et pour les Inuits. Donc, la présence épistémique Inuit est là. Je vais juste essayer de fermer ça. Nous, on utilise un modèle qui s'appelle IRI, le modèle IRI qui a été développé lors du composant communautaire de René Villers-Pitard 2017. C'est un modèle conceptuel de la santé qui va être publié dans les prochaines semaines par la Régie régionale de santé de Nunavik, basé sur trois concepts qui ont été identifiés par les Inuits lors de notre étude. Et le sursaut cyanique qui transmet l'idée d'une santé corporelle. Hanwinit cyanique qui est un sens de well-being, bien-être, élargi et particulier aux Inuits. Inuratgit cyanique, c'est les relations entre les gens qui, pour plusieurs, c'est la dimension la plus importante de la santé, c'est la santé sociale. Peut-être on pourrait dire. Donc, c'est le modèle qui anime notre étude. Voici une autre représentation du modèle. Et qui anime, j'espère, un espace épistémique pour ce qui va venir avec les résultats. Nous avons également développé, toujours dans cette notion d'espace épistémique, un statement de principles, là, de comment l'étude va se faire et dans quelle façon on va réfléchir tout au long de ce processus. Toutes ces infos sont disponibles sur le site web du projet pour approfondir. Puis finalement, troisième dimension de la géographie ou l'espace, what place là, pour les services, c'est la géographie culturelle des services. Donc, on assiste actuellement à l'émergence de plusieurs cliniques autochtones en lien avec le réseau de santé des amitiés autochtones, surtout. Clinique Minoué à Val-d'Or, qui était le sujet de discussion lors de la commission Bien, Centre Amitié Latuc aussi, projet NetNat à Québec qui vient de prendre l'élan. On entend des fois parmi les gens dans le système de santé, quand on parle des besoins des services pour les Autochtones, est-ce que ceci n'est pas « indigenous enough » Et là, notre argument, c'est non, en fait, pas du tout. C'est le temps de distinguer des services pour les Inuits pour plusieurs raisons.
Donc, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons historiques, il y a des raisons conceptuelles, mais aussi des raisons de santé populaire. C'est même pour qui demande que la santé, le profil de la santé des Inuits est différent que celle des Premières Nations et la population non autochtone. Donc, organiser des services devrait ou doit refléter cette réalité. Donc, il y a beaucoup plus de quelques exemples. Beaucoup plus de tuberculose chez les Inuits, beaucoup moins de diabète chez les Inuits que population et population, même à l'automne. Beaucoup plus de suicides, population en croissance rapide. Et c'est une minute. Je juste mentionné qu'il reste une minute, c'est ça? Oui, d'accord, pas de problème. Ça va peut-être être une minute trente. C'est une jeune population. C'est aussi une grande population. Nous avons entrepris un recensement de la population inuite en compte plus que 2200 personnes avec 90% à Montréal. Donc, c'est une très grande population. Ça pourrait très bien être la plus grande population inuite du Québec est à Montréal actuellement. Donc, finalement, il y a aussi le phénomène à Ottawa où ils ont développé depuis plusieurs années le Acoustic Inuit Family Health Team avec une panoplie de services très bien développés, ouverts de 9 à 5, 9 à 8 tous les jours, 5 jours par semaine, très appréciés jusqu'au point que les Inuits de Montréal commencent à se rendre à Ottawa pour des services de santé. Donc, le besoin est démontré et l'intérêt aussi. Pardon. En passant, plusieurs membres de la communauté inuite de Montréal sont allés à Carcevic pour être vaccinés contre le COVID bien avant que ça ait été possible à Montréal. Donc, en conclusion, bien que j'aime l'idée de la sécurisation culturelle, le contexte demande plus que ça. La complexité et les besoins sont énormes. Deuxièmement, les services de santé devront prendre en considération tous les facteurs que j'ai mentionnés et d'autres pour un peu combler les écarts géographiques et conceptuels d'espace que j'ai mentionnés. Ceci devrait être intégré dans le système existant. Ce n'est pas pour créer quelque chose de complètement nouveau, mais il faut également que ce soit assez indépendant pour que ça pourrait prendre dans sa façon de faire, sa façon d'exister, un ethos inuit à tous les niveaux. Et finalement, ceci, les services dans le sud pour les Inuits, devront être développés plus tôt plus que plus tard. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Puis en tant que géographe, je dois dire que j'aime beaucoup le concept de géographie de l'absence. Ça ouvre tout un nouveau pan de la géographie auquel on ne pense pas. Donc, on reviendra plus tard pour la période de questions. J'ai fait un bac en géographie, donc j'ai toujours un petit côté de moi qui est géographe. Ah, c'est ça, on le reconnaissait. On peut passer donc à la prochaine... présentation qui demeure dans le paysage montréalais. Donc, Mathilde Lapointe d'anthropologie qui nous présente une perspective croisée, en fait, des Inuits de Montréal et avec les infirmières, donc patients et infirmières. J'ai hâte de voir les liens qui vont se créer avec la présentation de M. Fletcher. Parfait, mais merci Ariel. Et je vais partager mon écran parce que j'ai un petit PowerPoint de moi aussi. Parfait. Donc, vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, ça fonctionne très bien. Super. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter en fait une petite partie de mon mémoire de maîtrise en anthropologie médicale que j'ai complétée cet hiver. Donc, ma présentation s'intitule « Perspectives croisées sur les expériences des Inuits de Montréal » dans le système de santé publique, donc entre le regard des infirmières et celui des patients inuits. Petit plan de présentation, je vais d'abord faire une petite mise en contexte que Christopher a déjà assez bien faite.
Ensuite, je vais vous présenter mon analyse là, des expériences médicales des Inuits dans le système de la santé en mettant de l'avant surtout trois dimensions, donc la communication, la relation d'aide, la rencontre interculturelle et ensuite, je vais conclure. Donc, petite mise en contexte, comme Christopher le disait, il y a plus de 2000 Inuits qui vivent au sud du Québec en ce moment, donc la majorité habite de manière permanente à Montréal. Donc, c'est une population qui est grandissante, donc il y a des besoins grandissants aussi, mais qui sont toutes assez mal desservies et assez peu étudiées aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon projet de maîtrise sur la santé et le bien-être des Inuits qui vivent à Montréal. Donc, j'ai fait ma recherche là, en 2019 et en 2020. J'ai aussi eu la chance, évidemment, là, de pouvoir intégrer ma recherche de maîtrise au sein du projet QS, comme Christopher vient de le présenter. Donc, ma question de recherche abordait là, différents éléments, mais le propos de ma présentation aujourd'hui, c'est plus particulièrement lié à un de mes objectifs de recherche, qui était de mieux saisir les enjeux sous-jacents aux expériences médicales des Inuits une fois qu'ils ont accédé au système de santé public, en faisant le croisement entre les perspectives des Inuits et les perspectives des infirmières. Puis en fait, j'ai choisi de m'intéresser là, exclusivement aux perspectives infirmières parce qu'en plus de travailler en première ligne, ben, elles ont un rôle d'intermédiaire au sein de la hiérarchie médicale. Donc, tout ça faisait en sorte là, qu'elles étaient assez bien placées là, pour offrir un témoignage nuancé de la relation entre les patients inuits et le personnel médical. Donc, allons tout de suite dans le cœur de la présentation. Je vais vous présenter donc mon analyse des trois dimensions des expériences médicales. La première dimension, c'est la communication, plus particulièrement la communication verbale. Donc, le premier élément qui est ressorti de manière significative pardon, de mon analyse, c'est la présence d'un certain inconfort linguistique au sein des interactions médicales. En fait, autant du côté des patients inuits que des professionnels de la santé qui doivent souvent communiquer dans une langue seconde ensemble, donc en contexte montréalais, c'est souvent l'anglais. Cette situation-là semblait créer des problèmes de communication, donc des malentendus qui pouvaient nuire à l'expérience des Inuits parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer adéquatement leurs besoins et leurs préoccupations. D'ailleurs, certains participants là, pensaient être davantage en mesure de le faire dans leur langue maternelle. Et en même temps, ça empêchait aussi les professionnels de la santé, ou du moins certains d'entre eux, à répondre de manière claire et compréhensible à ces besoins-là. Et ce qui exacerbe aussi cet enjeu-là à Montréal, c'est qu'il y a un manque important d'interprètes en contexte montréalais. En fait, les services de traduction en Inuktitut sont disponibles à Olivik, qui est le module de santé où les patients du Nunavik sont hébergés et sont pris en charge. Et donc aussi dans le réseau anglophone là, du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. Mais par contre, ces services-là ne sont pas mis à la disposition des Inuits qui vivent de manière permanente à Montréal. Et en plus de ça, du côté francophone, les services d'interprétariat sont centralisés au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, dans la Banque interrégionale d'interprètes, mais l'Inuktitut ne figure pas sur cette liste-là, ni aucune autre langue autochtone d'ailleurs. Donc, l'interprétariat en Inuktitut semble donc se faire, du moins selon ma recherche, là, de manière plutôt informelle et aléatoire en fonction des personnes qui sont disponibles pour aider vraiment ponctuellement un individu dans une situation spécifique. Le deuxième élément, c'est ça, le deuxième élément qui est important à prendre en considération dans la communication, c'est que les interactions dans le système de la santé se déroulent dans un langage conceptuel précis et assez complexe qui est propre à la biomédecine. Donc, beaucoup de participants inuits ont rapporté que ce langage conceptuel-là pouvait créer en fait des problèmes de communication et surtout de compréhension parce que c'est une manière de conceptualiser, de présenter, d'expliquer la santé et aussi sa prise en charge qui n'a pas toujours de sens ou qui se transfère ou se traduit des fois difficilement pour des personnes qui ont des perspectives différentes de celles de la biomédecine. Donc, d'ailleurs, là, cette tendance-là de la biomédecine à communiquer là, le plus souvent dans son propre langage conceptuel contribue aussi à renforcer la disparité de pouvoir et de savoir entre les professionnels de la santé et les patients inuits. Et ce qu'on peut appeler, là, dans le fond, la domination épistémique de la biomédecine sur les autres perspectives peut limiter, voire même invalider là, la manière dont les patients expriment leurs mots selon leur propre perspective. Donc, ça a été pointé là, par les participants comme étant problématique et c'est quelque chose qui a marqué les expériences de plusieurs Inuits que j'ai rencontrés.
Dans le même sens, donc, avoir davantage accès à des interprètes spécialistes de l'inuptitude permettrait aussi de rendre accessible aux patients le langage codé de la biomédecine et leur permettrait aussi d'exprimer leur état dans leur propre cadre conceptuel et culturel. En plus, peut-être même de faire du spécialiste linguistique un potentiel allié qui peut, dans une certaine mesure, je pense, aider à rééquilibrer les rapports de pouvoir dans le milieu médical. L'autre aspect de la communication, c'est la communication non-verbale. J'ai pu remarquer là, que le silence prend une place importante dans les interactions médicales avec les Inuits. Et selon mon analyse, le silence est aussi porteur de sens. Donc, premièrement, il faut préciser qu'il existe une certaine réticence, un malaise de la part des Inuits à poser des questions aux personnes, en règle générale, là, en position d'autorité. Selon moi, c'est dû à des traumatismes relationnels hein, qui sont liés à la position d'autorité et puis de pouvoir que les non-Inuits avaient en contexte colonial et qu'ils ont encore là, souvent aujourd'hui par rapport aux Inuits. Donc, le silence pourrait être une manière de prévenir les potentiels écueils qui pourraient survenir dans ce genre de rapport-là. Par contre, les Inuits que j'ai rencontrés ne considéraient pas nécessairement le silence non plus comme étant une absence de communication. En fait, ça semblait être même un vecteur de communication qui avait des fonctions conversationnelles et relationnelles assez déterminées. Donc, pour les Inuits, le silence de celui qui va écouter peut témoigner, par exemple, de respect, de peur, d'un malaise ou surtout même d'un moment de réflexion ou d'apprentissage par rapport à celui qui parle. Donc, le sens d'un individu aussi peut aussi être parlant, d'ailleurs, là, à travers sa posture, à travers sa présence, et à travers ses expressions faciales ou d'autres éléments non-verbaux, là, comme on peut le voir dans le PowerPoint. C'est d'ailleurs un élément là, qui semblait parfois semer la confusion dans les interactions médicales, le fait que les patients inuits répondaient aux questions des professionnels de la santé par des expressions faciales plutôt que par la parole, ce qui est une pratique là, très, très courante dans le Nord. En fait, les participants à mon étude ont mentionné que ça peut créer de la confusion, voire même de la frustration pour les Inuits, mais aussi et en fait surtout pour les non-Inuits qui ne sont pas familiers avec cette manière-là de communiquer puis qui ont l'impression que le patient refuse de coopérer, ce qui n'est en fait pas le cas du tout. Donc, même si le silence des patients Inuits peut détonner dans les rencontres médicales qui se déroulent souvent très, très rapidement, qui sont ponctuées de plein de questions, c'est important de garder en tête que les silences ne sont pas dépourvus de sens, puis qu'à l'inverse, même les mots qui sont utilisés avec parcimonie ont une portée qu'on réserve vraiment pour les moments opportuns, donc qui ont aussi leur propre importance. Donc, allons à la deuxième dimension, qui est la relation d'aide. Selon ma recherche, j'ai pu comprendre que toute relation de soins sous-entend une relation d'aide. Donc, puisque le fait d'aider est vraiment apparu comme étant une valeur fondamentale à la fois pour les Inuits et pour les infirmières, bien, ça me semblait important là, d'approfondir un peu ces questions-là. Donc, en faisant des recherches, là, j'ai découvert que le terme qui correspond le mieux au type d'aide qui caractérise la relation entre les praticiens, les patients Inuits et en Inuktitut, Ikayurtuk, je suis désolée pour la prononciation. Cette notion-là d'aide est super intéressante parce qu'elle suppose un rapport de contrainte. Donc, la personne à qui on demande de l'aide ne peut pas, en théorie, refuser. Puis, ça crée une relation de subordination entre le groupe qui possède les ressources et le groupe qui est démuni. Donc, cette dépendance-là est encore plus accentuée, là, on s'entend, par le contexte historique et biomédical dans lequel s'inscrivent ces rapports. En plus de ça, les Inuits valorisent beaucoup l'autonomie individuelle. Donc, on a pu remarquer des personnes qu'on a rencontrées qu'ils attendaient souvent d'avoir épuisé toutes leurs ressources personnelles avant de demander de l'aide professionnelle. Donc, ça accentue encore plus cette dynamique-là. Heureusement, ces rapports-là ne sont pas immuables, donc ils sont sujets à être renégociés selon le contexte puis aussi selon les personnes qui sont impliquées dans ces interactions-là. Et en fait, j'ai constaté que les infirmières qui ont participé à mon groupe de discussion dans ma recherche avaient adopté des stratégies pour adapter leur pratique à cette dynamique-là, même si elles ont quand même mentionné là, qu'elle était quand même limitée par le cadre institutionnel et hiérarchique là, dans lequel elles travaillent. Donc, quelques exemples de stratégies individuelles. Par exemple, elles pouvaient décider de prendre un peu plus leur temps avec les patients Inuits pour essayer d'instaurer un lien de confiance. Elle pouvait faire preuve d'autodérision, donc l'humour, c'est quelque chose qui fonctionnait très, très bien. Évidemment, faire preuve d'ouverture d'esprit, être compréhensive, être empathique.
mais aussi travailler dans une optique de réduction des méfaits, donc qui est en fait d'accepter les limites de l'aide qu'elles peuvent offrir, mais aussi que leur patient est prêt à accepter. Donc, voilà. Et pour la troisième dimension, c'est la rencontre interculturelle. Je parle vraiment de rencontre interculturelle parce que je voudrais parler d'une rencontre entre deux cultures, donc la culture biomédicale et la culture inuite. Plusieurs études ont démontré que la culture biomédicale, comme la culture inuite, comme n'importe quelle culture, en fait, porte certaines valeurs, certaines manières d'être, de penser, d'agir, qui témoignent en fait de perspectives sur les individus, mais aussi sur leur santé, qui se sont construites à travers certains processus historiques et sociaux qui sont assez précis. Donc, du côté de la culture biomédicale, c'est surtout le principe de l'égalitarisme qui prime. Donc, les praticiens s'engagent à offrir des soins de manière égalitaire à tous leurs patients, donc peu importe là, leur culture, leur religion, leur statut socio-économique ou d'autres facteurs là, qui pourraient les différencier. C'est souvent présenté comme étant un gage de traitement là, juste et équitable, mais en fait, la réalité clinique, là, à l'image de la réalité sociétale, est beaucoup plus complexe que ça. Puis ce qu'on observe plutôt sur le terrain, c'est que l'égalitarisme peut, au contraire, contribuer à invisibiliser les différences, puis cumuler un manque de connaissances, par exemple, sur la culture ou sur d'autres éléments propres à chaque individu. Ça crée en fait des discours culturalistes et essentialistes. Donc, beaucoup de professionnels de la santé ont effectivement tendance à considérer la culture de leurs patients comme existant de manière indépendante, donc en dehors du contexte là, politique, économique, social, historique, qui influence leur état de santé et leur capacité à être en santé. Puis ça peut contribuer aussi à perpétuer certains préjugés, comme par exemple la croyance que certaines pathologies sont liées de manière inhérente aux pratiques culturelles d'un certain groupe. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que dans les rencontres médicales, les participants inuits ont affirmé qu'il y avait un écart important entre leur propre manière d'être, d'agir, de penser, mais aussi de paraître par rapport à celle attendue ou acceptée par la culture biomédicale. Puis cet écart culturel-là, qui était aussi parfois nourri là, de préjugés ou de méconnaissances, pouvait effectivement mener à de la discrimination. Et plusieurs Inuits que j'ai rencontrés ont même affirmé qu'ils faisaient exprès d'agir comme des Blancs ou qu'ils considéraient que c'était un élément facilitateur d'avoir l'air blanc pour éviter un traitement différentiel dans le système de la santé. Donc, eux utilisaient le terme « white passing ». Ça pouvait vraiment avoir une influence là, sur l'expérience médicale ou du moins là, sur la influencer les possibilités là, d'être la cible de discrimination ou de traitement différentiel. Par contre, les infirmières que j'ai rencontrées ont aussi démontré une grande sensibilité culturelle. J'ai constaté en fait que plus les infirmières étaient familières avec les réalités autochtones, que ce soit à travers des expériences professionnelles ou personnelles, plus elles étaient sujettes à avoir une perspective critique sur leur pratique et plus elles étaient aussi outillées en connaissances, mais aussi en compétences culturelles pour essayer de répondre là, aux enjeux soulevés par leur rencontre avec des patients inuits. D'ailleurs, on parlait de sécurisation culturelle un peu tantôt, mais beaucoup d'infirmières ont mentionné en fait qu'elles déploraient le peu de formation en sécurisation culturelle qui existe actuellement à Montréal. Puis que finalement, ben, l'issue des rencontres interculturelles en milieu clinique là, dépendait souvent du degré d'ouverture d'esprit, des connaissances personnelles, de la curiosité ou voire même de la volonté de chaque infirmière. Donc, elles avaient développé individuellement des stratégies pour montrer à leurs patients qu'elles reconnaissaient, qu'elles respectaient leur situation et leur réalité. Puis, c'est ça pour essayer de créer un lien de confiance avec leurs patients. Donc, dernière diapo pour conclure, en une minute. oui, j'aimerais ça en fait vous laisser sur une citation d'Annette Brown qui dit « En tant que microcosme de la société, l'environnement dans les hôpitaux reflète les conversations qui ont lieu au sein de la société en règle générale. » Donc, traduction libre. Mais en fait, je pense que c'est vraiment ça. Les éléments que je vous ai présentés aujourd'hui vont en fait bien au-delà du système de santé. Ils sont partie prenante là, de toutes les sphères de la société québécoise. Puis
Il faut continuer de décoloniser le système, particulièrement le système de la santé. Et ce qui doit passer, là, selon moi, surtout en fait en premier lieu par la reconnaissance de l'existence du racisme systémique. Mais il faut aussi mettre en valeur les ponts qu'on peut créer entre tous et chacun, parce que ma recherche démontre aussi qu'il suffit parfois d'assez peu, en fait, pour faire une énorme différence par rapport aux expériences des patients inuits, notamment. Et donc, c'est important de mettre de l'avant dans nos réflexions et dans nos actions la gentilité de tous les acteurs, inuits, non-inuits, parce qu'on a tous le pouvoir là, d'agir et d'influencer positivement ces rencontres-là dans toutes les sphères de la société. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour une excellente présentation qui était vraiment super intéressante, honnêtement. J'ai beaucoup aimé l'attention qui est portée au silence puis au non-verbal. C'est vrai que c'est vrai, c'est ça qu'on n'écoute pas assez le silence. D'ailleurs, désolée pour mon image un peu obscure. Là, je suis à mon maximum de lumière, mais désolée. C'est correct. Mais c'est ça, donc merci beaucoup. On passe à la troisième présentation, si vous le voulez bien, qui demeure encore à Montréal. Donc, c'est vraiment un tour urbain par Doris Farget et Léa Serrier. Donc, on demeure à Montréal, mais on change de système. Là, on va dans le système de police, service de police de la ville de Montréal et la collaboration avec la communauté autochtone urbaine. Donc, je vous laisse sur la présentation. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices et organisateurs pour nous avoir invités. Alors, je vais débuter cette présentation et puis Léa prendra ensuite le relais. Je voudrais tout de suite partager en fait un PowerPoint. Hop. Alors. Instant. Non, pas là. OK. Ici. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit très bien. Parfait. Alors, donc aujourd'hui, on va présenter les résultats d'une recherche qui a été conduite entre 2017 et 2020. Donc, c'est une recherche qui a été conduite en collaboration entre femmes autochtones du Québec et une équipe de recherche à l'UQAM. Donc aujourd'hui, Léa et moi présentons le fruit d'un travail collectif. Plusieurs membres de l'équipe de femmes autochtones du Québec ont collaboré à cette recherche et également à l'UQAM ont collaboré les professeurs Myriad Rilch, Dominique Bernier et deux équipes de la Clinique internationale de défense des droits humains. Alors, on tenait à le souligner. Également, chez Femmes autochtones du Québec, on a collaboré avec Véronique Picard, avec Josiane Loisel-Boudreau et avec Rambo Miller, ainsi qu'avec Léa Serrier, qui est ici aujourd'hui, puis avec Viviane Michel. Alors, voilà, nos deux voix sont là pour présenter le fruit de ce travail collectif. Alors, la présentation va aller comme suit. Je vais présenter un petit peu le contexte de la recherche, la problématique, la méthodologie et les résultats de manière sommaire. Et puis, Léa poursuivra avec une explication puis une mise en lumière de nos résultats. Et elle conclura sur les pistes de solutions qu'on a identifiées. Alors, au niveau du contexte, cette recherche, en fait, c'est une recherche qui est associée au projet Looking Out for Each Other, un projet qui a été porté comme chercheur principal par la professeure Yula Yus à l'Université du Nouveau-Brunswick et qui visait à documenter la situation des disparitions et des assassinats de filles et de femmes autochtones dans l'Est du Canada, puisque au début de ce projet-là, donc 2016-2017, la situation avait été documentée dans l'Ouest du pays, mais il y avait encore des voix pour dire que cette problématique-là de disparition et d'assassinat de filles et de femmes autochtones n'existait pas dans l'Est. Alors, le projet visait d'une part à documenter cette situation dans l'Est du pays, donc les cinq provinces de l'Est, et également à documenter la situation vis-à-vis certains services, dont les services de police.
Alors, une fois que l'équipe de l'UQAM a été contactée, on a décidé d'aller vers Femmes autochtones du Québec, qui avait déjà commencé à documenter la situation à travers son rapport Debout et solidaire, un rapport qui documentait donc la situation des femmes autochtones disparues et assassinées au Québec et dans les communautés, un rapport publié en 2015. Et au fur et à mesure de nos discussions avec Femmes autochtones du Québec, eh bien, a été identifié le terrain de Tsiotsiaguet, Montréal, puisque celui-ci n'avait pas fait l'objet de documentation dans le rapport de 2015 et nécessitait cette documentation-là, sachant que Montréal est un contexte propre. C'est un contexte particulier puisque il y a une présence autochtone plurielle à Montréal, une complexité des identités autochtones également, et que Montréal contient la plus grosse population autochtone dans les villes du Québec. Également que les femmes autochtones à Montréal ont des parcours de vie et des expériences diversifiées, mais que les stéréotypes et le racisme exprimés par la population non autochtone de la ville sont présents et documentés avant nous, que la surveillance policière, le profilage racial et l'exclusion sociale vis-à-vis les personnes autochtones sont aussi documentés, et un secteur où le sentiment d'insécurité vécu par les personnes autochtones est aujourd'hui bien connu. Alors, autre élément de contexte lié à notre recherche, eh bien, vu qu'on a décidé de travailler à documenter la réponse du service de police de la ville de Montréal en cas de disparition et d'assassinat d'une femme ou d'une fille autochtone, eh bien, je tiens à préciser qu'à Tsiotsiaguet, Montréal, la compétence policière n'est pas celle de la Sûreté du Québec. C'est une compétence policière propre, celle du service de police de la ville de Montréal, le SPVM, qui prend également en charge les disparitions et les assassinats. Et en 2015, était signé un accord de collaboration entre le réseau, donc le réseau pour la stratégie de la communauté autochtone urbaine de Montréal, donc une institution qui regroupe des bénévoles, mais également des représentants officiels et qui travaille à améliorer la qualité de vie des personnes autochtones à Montréal. Donc cet accord de collaboration de 2015 a été signé entre le réseau et le SPVM. Et l'objectif 4 de cet accord visait à associer la communauté autochtone urbaine dans des stratégies d'intervention quant aux femmes et aux filles autochtones disparues ou assassinées au sein de la ville. Donc, il y avait un engagement institutionnel qui avait été pris en 2015 et la recherche a notamment documenté un petit peu comment la collaboration avait lieu dans le cadre de cet accord de collaboration. Donc, la question de recherche sur laquelle on a travaillé, c'est la suivante, celle de savoir la question de départ, en fait, parce que le terrain a fait émerger d'autres réflexions, mais la question de départ était celle de savoir quelle est la réponse du service de police de la ville de Montréal en cas de disparition ou d'assassinat d'une fille ou d'une femme autochtone à Montréal. En fait, on partait de questionnements un petit peu plus techniques sur la technicité de la réponse, et ce que le terrain a révélé, c'est un enjeu de fond criant qui était celui de la collaboration, des défis qui se présentent en matière de collaboration entre les milieux autochtones et communautaires et le SPVM. Et finalement, c'est cet enjeu de collaboration que le rapport documente, donc rapport publié en janvier dernier. La méthodologie a été la suivante. On a utilisé la méthodologie des entrevues semi-dirigées, donc avec des participantes et des participants issus des milieux de l'intervention communautaire et autochtone, et avec aussi des membres du service de police de la ville de Montréal. D'emblée et de concert entre Femmes autochtones du Québec et l'équipe de l'UQAM, et comme on commençait une recherche alors que deux commissions d'enquête nationales et au Québec, la commission Bien, c'était à l'œuvre et sollicitait déjà les familles des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées,
on a choisi d'emblée de ne pas réinterroger ces personnes-là pour ne pas rouvrir des plaies davantage qu'elles ne l'étaient déjà dans le cadre de ces commissions d'enquête. Et donc, le terrain qui s'est déroulé de 2018 à 2019 a vraiment visé à des participantes et des participants qui étaient issus du milieu de l'intervention communautaire et autochtone et œuvrant avec différents publics autochtones au sein de la ville, puis les membres du SPVM. Quoi dire d'autre? On a également fait des demandes d'accès à l'information au SPVM, au total 6, et avec l'appui de la Clinique internationale de défense des droits humains, on a reçu des réponses variables à ces demandes d'accès à l'information. Et donc, les résultats que je vais vous présenter dans un instant sont basés surtout sur les entrevues qu'on a recueillies. Je tiens à dire d'abord, avant de présenter ces résultats, que malgré la critique constructive, je crois que le rapport formule, cette critique, elle ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons coups faits par le SPVM, il n'y a pas des personnes de bonne volonté. Notre critique, elle s'adresse vraiment à une institution et à un comportement, à des comportements qui sont institutionnellement portés, finalement. Alors, on ne nie pas qu'il y a des personnes de bonne volonté au sein du SPVM. Au niveau des résultats, et je terminerai par là, d'une part, et bien que la recherche, elle n'ait pas permis de documenter aussi précisément qu'on le souhaitait cet aspect-là, la recherche, d'une part, confirme le fait que les disparitions et les assassinats de filles et de femmes autochtones à Montréal sont un problème public connu et présent au sein de la ville. Il y a vraiment unanimité des participants quant à cet élément-là, participants qu'ils soient au sein du SPVM ou du milieu communautaire et autochtone. L'autre chose, c'est qu'il y a unanimité aussi des participants quant à la nécessité de la collaboration entre les milieux communautaires et autochtones et le SPVM. Toutefois, la recherche a mis en lumière des principes qui seraient le socle d'une collaboration réussie entre le SPVM et la communauté autochtone urbaine. Alors, ces principes sont les suivants. Celui de la confiance entre l'institution et le milieu, celui de la sensibilité de l'institution, de l'imputabilité de l'institution, de la reconnaissance des expertises autochtones par l'institution qu'est le SPVM, et celui du respect de la non-discrimination et de l'égalité réelle par celui-ci. Et ce que démontre le rapport, c'est que ces principes ne sont actuellement pas effectifs et qu'il y a un enjeu d'effectivité en fait, de la collaboration entre la communauté autochtone urbaine de Montréal et le SPVM. Alors, sur ces mots, je laisse la parole à Léa. Merci. D'emblée, je vais juste indiquer que les disparitions et meurtres des femmes et filles autochtones sont un phénomène complexe. Puis il est souvent répandu l'idée selon laquelle c'est pour échapper à une situation de violence ou parce qu'elles choisissent un mode de vie à haut risque qu'elles disparaissent ou qu'elles sont assassinées, ce qui revient à dire que c'est le choix de vie qui rend responsable l'individu victime d'une disparition ou d'un assassinat. Dans les faits, elles sont les cibles faciles de prédateurs, car un groupe vulnérabilisé qui vit de la discrimination systémique et dont les racines se trouvent dans l'idéologie du colonialisme. Ce préjugé ainsi que tous les stéréotypes sur les femmes autochtones se retrouvent au sein des institutions policières et notamment le SPVM, comme le souligne notre rapport. Et ces stéréotypes entraînent des attitudes racistes et des traitements discriminatoires envers les femmes autochtones. Or, cela a des impacts concrets sur l'accès aux services, le financement des ressources, le traitement des dossiers, mais aussi le processus judiciaire et policier. Ça donne lieu aussi à des interventions inadéquates. On peut penser à l'intervention du Square Cabot en mai 2020 dernier. Pour rappel, suite à l'appel au 911 d'une femme autochtone en détresse psychologique, c'est 17 policiers armés de l'escouade canine qui sont arrivés sur les lieux. Donc, c'est une illustration assez frappante d'une intervention inadéquate, mais qui n'est pas isolée. Cela contribue à la perte de confiance des femmes et filles autochtones envers les services de police, aspect sur lequel je ne vais pas revenir parce qu'il a été très documenté, et au sentiment d'insécurité. Ces préjugés ont pour principale conséquence l'absence de prise au sérieux et l'incompréhension de ce phénomène par les services de police. Donc, c'est ça, il est nécessaire de collaborer avec les organismes autochtones pour comprendre le phénomène et l'adresser.
C'est pour ça que l'accord de 2015 a été mis en place et c'est un premier pas. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de manque de collaboration réelle dans le rapport? C'est qu'il ne semble pas y avoir d'uniformité déjà dans l'application de cet accord, ce qui semble empêcher de le rendre efficace. Également, la collaboration ne semble pas être comprise de la même manière. Il semblerait que d'un côté, ça signifie un échange d'informations uniquement, de l'autre, établir des relations de confiance, reconnaître l'expertise autochtone, écouter, mais surtout co-construire. Il est nécessaire de collaborer, non pas formellement, mais réellement. Et ce n'est pas propre au service de la ville de la police de la ville de Montréal, mais pour illustrer combien de fois avons-nous été FAC sollicités pour des recommandations, produire des rapports, assister, participer à l'étape de travail, des rencontres, des comités avec divers paliers du gouvernement, du Parlement, de la police, etc. Mais rien ne se fait. Aucune action concrète et effective n'est vraiment prise une fois qu'on fait ces recommandations, ces rapports, etc. Donc, la coopération est vraiment juste dans les mots, mais pas dans les faits. Et la preuve avec l'ENFADA, par exemple, 2 ans plus tard, aucune mise en œuvre des recommandations n'a été entamée par le Québec, malgré nos demandes, nos mémoires, etc. Nous sommes finalement obligés, en tant que petite organisation, de construire seul un plan d'action pour remédier à la situation, à ce phénomène de disparition et meurtre des femmes autochtones. Également, collaboration signifie consultation. La consultation des organismes autochtones est indispensable. On peut rappeler la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Lorsque ça touche des enjeux propres aux autochtones ou des enjeux qui touchent les personnes autochtones, et elle doit se faire en amont. Parce que dans les faits, elle se fait souvent devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'on nous consulte pour apporter des commentaires qui seront peut-être pris en compte, et cela se fait toujours dans les règles de la personne qui nous demande, qui nous consulte. Donc, par exemple, la date, la durée d'allocution, le délai pour remettre les mémoires. Nos expertises ne semblent pas être prises en compte, ce qui a pour conséquence un manque de compréhension des enjeux, des réalités, et mène donc à de mauvaises analyses des situations et des besoins, notamment de la part du SPVM. Les retombées de cette recherche même illustrent également cette absence de collaboration. Alors que sont soulevées plusieurs critiques à l'égard du SPVM, comme on l'a annoncé, rien depuis la publication de notre rapport en janvier n'a été mis en place pour redresser les failles identifiées. On ne peut que remarquer aussi l'absence de réaction de la part du SPVM depuis l'apparition de notre rapport. Comment se fait-il que la recherche à propos de services publics au Québec et de leurs relations avec les peuples autochtones soit aussi systématiquement tabletée? Comment se fait-il que, dans ce domaine, la recherche atteigne si peu sa cible, celle de documenter des situations pour annoncer des transformations sociales, amorcer des transformations sociales? Comment le contexte colonial aussi dans lequel nous vivons se répercute aussi sur la possibilité ou non des retombées de la recherche? Donc, ce sont des questions qui se sont posées suite à l'apparition de notre rapport et cela ne semble pas avoir non plus d'incidence sur l'imputabilité. En effet, tout cela ça soulève la question de l'impunité. Dans le sens que le non-respect du principe de diligence due, de non-discrimination qui est soulevé dans notre rapport et aussi soulevé dans énormément de rapports que FAC a pu produire ainsi que d'autres organisations autochtones. Également, on peut souligner l'absence de mécanismes effectifs pour dénoncer les agissements des policiers. Les manquements, les défaillances du système de police ne semblent pas avoir à ce jour de conséquences sur la position adoptée par l'institution policière et laissent croire que les défaillances du système ne seront pas reconnus ni corrigés. Les cas non résolus de disparition et meurtre de femmes autochtones et filles autochtones à Montréal sont souvent considérés comme des cas isolés, non comme une défaillance systémique. Et ça contribue à banaliser le phénomène, à banaliser les expériences traumatisantes des familles, mais aussi à l'invisibiliser. Donc, le rapport a relevé plusieurs pistes de solutions. Il y en a 8 en tout et je vous invite à aller les consulter. Mais je vais faire ressortir les principales qui sont l'effectivité des collaborations et d'adopter une approche basée sur les droits humains, intersectionnels et autochtones. Concernant l'effectivité des collaborations, c'est remédier à toutes les situations que j'ai nommées plus haut et que comme organisation FAC rencontre. Cela passe aussi par le financement des organisations et la reconnaissance à leur juste valeur pour leurs interventions nécessaires dues aux failles des services publics financés par l'État. Également, de changer la culture du partenariat, c'est-à-dire plus d'écouter la vision autochtone de qu'est-ce que ça veut dire une collaboration et d'écouter,
co-construire et pas juste demander des amendements à des choses déjà faites. Faire en sorte aussi que le SPVM s'engage réellement à appliquer uniformément l'accord de 2015. Donc, ce sont toutes sortes d'exemples de rendre effectives les collaborations. Également, l'approche basée sur les droits humains, ce qu'on propose dans le rapport, c'est vraiment une éducation aux réalités autochtones, aux réalités des femmes autochtones, aux principes d'égalité réelle et d'intersectionnalité. Donc, c'est ça, il est temps de prendre en compte les réalités autochtones plurielles, d'éduquer à la complexité et aux nuances, à la diversité des réalités. Parce que c'est ça, il n'y a pas une seule réalité autochtone, une seule réalité pour les femmes autochtones. On s'entend qu'elles sont toutes de nations différentes, de milieux différents, de contextes différents. Donc, il est nécessaire de prendre en compte toutes les formes aussi de discrimination que peuvent vivre les femmes autochtones. D'éduquer. Pardon, juste mentionner qu'il reste une minute. Parfait, je vais juste terminer sur ce point-là. Donc, c'est ça, le plus important vraiment dans l'éducation, d'éducation sur l'égalité réelle aussi, soit l'atteinte d'une véritable égalité, donc une égalité par un accès égal, des occasions égales, et donc prendre en compte les spécificités, les facteurs d'oppression que sont, par exemple, le colonialisme, le sexisme, la misogynie, le racisme, etc. Enfin, pour une approche basée sur les droits humains, les droits humains créent des obligations qui lient le gouvernement et les services publics vis-à-vis de toutes et tous, y compris les personnes autochtones. Et le principe de diligence due, soit l'obligation de prévenir les violations de droits humains, doit être respecté. Dans le cas des phénomènes de disparition et meurtre des femmes et filles autochtones, c'est un phénomène qui est bien connu. La diligence doit donc être accrue. On sait que ce groupe est vulnérable, on connaît les types de violations de droits humains subies par les femmes et les filles autochtones, et un manquement à cette obligation ne peut pas rester sans conséquences. Alors, c'est ce qui termine notre présentation, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Un grand merci pour votre présentation. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, mais je pense que vous avez réussi à avoir une approche qui était nuancée puis holistique. J'ai trouvé intéressant aussi de voir que vous avez mentionné le fait que ce n'est pas toutes les personnes du SPVM, mais bien le système. Puis en relation aussi, on pourra en reparler dans la période de questions, mais en relation avec les questions d'avant, je pense que c'est là qu'on comprend vraiment tout le point de vue du systémique, que c'est pas, ça ne retombe pas sur les individus, mais on dirait que il manque une bienveillance dans le système, puis la bienveillance devient une option pour les personnes ou une responsabilité. Mais bref, donc merci beaucoup pour cette présentation. On termine le panel avec un voyage dans le sud, ou presque. On sort de Montréal pour se diriger vers le Brésil. Donc, Madame Pelletier de Coninck qui nous présente sa recherche sur les concours de beauté Miss et Mister Terena au Brésil. Donc, je vous laisse présenter ça. Oui, merci. Ouais, OK. Oui, donc je vais faire voyager un peu au niveau de la localisation et de la thématique. Donc, dans le cadre de ma recherche de doctorat, je m'intéresse au concours de Miss et Mister Terena, une communauté autochtone du centre-sud du Brésil. Ce sont des concours qui sont extrêmement populaires et il y en a énormément. J'ai pu assister à 14 concours en tout. J'ai pu filmer, prendre des photos. J'ai réalisé des entrevues avec des organisateurs, des participants, participantes et des artisans. J'ai accompagné les réseaux sociaux et puis j'ai séjourné au sein de différents trainers. Dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter les résultats, les données liées à un concours qui était en milieu urbain, qui avait un contexte un peu différent. Et je tiens à dire aussi que j'en suis encore dans le traitement des données, je n'ai pas terminé l'analyse, donc c'est un peu des résultats préliminaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, les Terena, leur territoire se situe aujourd'hui dans l'état du Mato Grosso do Sul.
C'est le cinquième plus grand groupe autochtone du Brésil en ce moment, avec plus de 30 000 individus, et ils font partie de la famille linguistique et culturelle Arawak. Les Arawak proviennent des Caraïbes et auraient descendu vers l'Amérique du Sud, et ils font partie de la sous-famille Guana qui ont navigué le fleuve Paraguay en vagues successives dans la seconde moitié du 18e siècle. Et les Terrenes se sont installés dans ces terres fertiles qui sont ici. C'est un peuple d'agriculteurs qui cultive encore aujourd'hui beaucoup de maïs, riz, légumineuses et manioc. Dès le début du 20e siècle, les voyageurs notaient que c'était une population qui avait une certaine facilité d'ouverture vers l'extérieur et qui avait tendance à vouloir se perfectionner en incorporant des éléments des cultures extérieures et à vouloir créer des alliances. Parmi ces alliances plus documentées se trouve la guerre du Paraguay, donc de 1864 à 70. Où le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay s'étaient alliés aux Terrenes et aux Cajihueu, dans ce territoire-là, contre le Paraguay et les Guarani. Donc, à cette époque, les Terrenes et les Guarani étaient des ennemis pendant cette période. À garder en tête pour la suite. Rapidement, au Mato Grosso do Sul, il y a 8 peuples autochtones différents. Et c'est un État où il y a énormément de violence et de discrimination envers les peuples autochtones, notamment parce qu'il y a beaucoup de disputes par rapport aux terres qui sont très fertiles, des conflits agraires, et aussi la proximité avec les frontières avec le Paraguay et la Bolivie. Les différents médias diffusent énormément de stéréotypes et des images négatives des Autochtones qui mettent de l'avant la misère, l'alcoolisme, le suicide et la perte de la culture. Et puis, juste pour que... vous pouvez voir ici que les territoires des Terrenes sont en beige. Et au sud, vous avez les territoires Guarani et Kaiowa. Et il y a une petite portion ici où il y a un peu de beige, et en fait, c'est là où a lieu le concours que j'ai pu observer. Pendant la guerre du Paraguay, le Brésil avait envoyé certaines familles terrenes dans cette région, qui se situait sur les territoires Kaiowa et Guarani, pour observer les mouvements des Paraguayens. Certaines familles se sont installées à cet endroit, et lors de la création des réserves par le Service de la protection des Indiens, là, c'est le terme utilisé en portugais, qui était une organisation gouvernementale protectionniste qui visait à protéger les Autochtones en les regroupant dans les réserves pour les sauver et les intégrer éventuellement à la société nationale. Mais donc, ont été placés dans cette réserve, qui est la Terra Indígena Dourados, dont j'ai parlé, Terrenes, Guarani et Kaiowa. C'est en périphérie de la ville de Dourados, c'est presque comme, en fait, c'est une banlieue. Il faut vraiment le savoir là, quand on prend l'autoroute, on ne peut pas le savoir en fait quand on est rendu dans la réserve là, ou pas. Donc c'est ça. Et puis il y a ensuite eu une deuxième vague de Terrenes qui ont été envoyées dans cette réserve-là par le même service de protection des Indiens. Ils envoyaient en fait les Terrenes pour civiliser les Guarani et les Kaiowa. Ils voulaient en fait que les Terrenes leur apprennent l'agriculture pour qu'ils deviennent des meilleurs producteurs agricoles. Donc évidemment, ça a créé énormément de tensions dans cette réserve, aussi en termes de territoire, et ces tensions sont encore très présentes et aussi présentes dans les concours dont je vous présente, ce dont je vous parle. Donc la réserve compte 18 000 individus, c'est 3 500 hectares, et puis c'est divisé en deux villages qui ont des réalités très différentes. Les Terrenes, en fait, les Guarani et les Kaiowa disent que les Terrenes ont vraiment se sentent supérieurs et n'aiment vraiment pas ça. Et les Terrenes, en revanche, disent qu'ils vivent énormément de discrimination à l'école, au travail, dans la vie de tous les jours. Alors que la réalité de cette réserve, avec le temps, est devenue ce qu'ils appellent Guatec, parce qu'il y a eu énormément de mélanges entre les Guarani, les Terrenes et les Kaiowa. Malgré ça, il y a beaucoup de tensions qui persistent.
Donc, du côté ici du village Jaguapirú, il y a énormément, en fait, se trouvent tous les terrains qui sont aussi parmi les chefs. Et il y a beaucoup plus de services de santé, les écoles primaires, secondaires, les églises, l'autoroute qui se rend en ville, etc. Alors que de l'autre côté, qui est plus Kaiowa et Guarani, c'est beaucoup plus précaire, beaucoup plus de pauvreté, de violence. Ils n'ont parfois même pas accès à de l'eau potable. Ils ont vraiment un sentiment d'infériorité par rapport à l'autre village. Donc, j'essaie de passer rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, si je fais un historique très bref des concours de la région, les premiers concours autochtones ont été durant les Jeux autochtones qui étaient organisés par des terrains pour l'ensemble des peuples de l'État. Et ils avaient fait des concours de Miss au début qui rappelaient un peu les défilés qui au début des Jeux olympiques. Quelques années plus tard, il y a eu un DJ de Dorados, donc de la ville, qui a voulu organiser un concours de Miss dans la réserve et ça a un peu été un flop. Ça n'a pas très bien fonctionné. Plusieurs années plus tard, en fait, c'est des professeurs autochtones des écoles qui vont commencer à réaliser des concours dans les écoles primaires et secondaires à vraiment petite échelle avec les élèves. Et en fait, il faut comprendre que du moins dans l'État du Mato Grosso do Sul, les écoles primaires et secondaires réalisent énormément de concours de Miss et de Mister. Toutes les occasions sont bonnes, c'est la fête des pères, c'est la fête des mères, c'est le printemps, c'est la fin de l'année, voilà. Donc, ils se sont un peu appropriés cette pratique et l'ont adaptée en fait à la réalité des écoles autochtones et de la culture. Quelques années plus tard, dans le cadre d'une semaine culturelle dans une université de la ville, on demande à certains académiques autochtones d'organiser un événement culturel autochtone pour l'ouverture. Et c'est là qu'une des filles a l'idée d'organiser un concours de Miss et Mister. Sauf qu'à l'époque, c'était l'université qui se chargeait de toute l'organisation. En termes financiers de la structure, on leur payait maquillage, coiffure, les robes de bal, les talons, la musique, etc. Par contre, donc les deux organisateurs devaient trouver les participants dans la réserve qui allaient présenter dans cet événement culturel-là. Donc, la famille n'était pas présente et l'organisation était principalement à l'octobre. Deux années plus tard, un des organisateurs de cet événement-là devient secrétaire de l'éducation de la municipalité et réussit à rentrer toutes les activités culturelles liées au jour de l'Indien au Brésil, Dia do Índio, le 19 avril, comme dans les calendriers de la municipalité. Donc, encore une fois, c'est la municipalité qui s'occupe des concours de manière financière, de tous les services, etc. Sauf que le concours est déplacé dans la réserve, ce qui attire toutes les familles et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent extrêmement populaires. Puis, il y a aussi davantage d'implication des professeurs autochtones dans ces concours-là. Maintenant, on arrive aux concours qui nous intéressent, qui sont organisés par l'AGE. En fait, il y a eu un changement au niveau politique qui faisait que le nouveau gouvernement municipal ne voulait plus s'occuper des concours de Miss et Mister. Et donc, c'est une association de jeunes qui finit par prendre le relais, alors qu'au départ, c'était un groupe qui critiquait beaucoup les concours, en disant qu'il y avait des choses plus importantes, qu'il y avait transmission de stéréotypes d'autochtones folklorisés, etc. Je vais y revenir par la suite. Cette organisation-là est née au début des années 2000 parce qu'il y avait des vagues de suicides de jeunes très importantes. Et en fait, il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites à ce sujet-là, mais on n'entendait pas les jeunes. Et donc, il y a une anthropologue de São Paulo qui a décidé d'organiser un espace où il y aurait des activités et des cours pour engager les jeunes qui étaient en situation vulnérable et un peu les regrouper parce qu'ils étaient très divisés entre les villages et les ethnies. Donc, parmi cette organisation du concours-là, il y a beaucoup d'infirmières, travailleuses sociales, coordonnateurs de la santé autochtone de l'État. Donc, c'est tout nouveau et c'est des personnes qui ne sont pas habituées à organiser ce type d'événement. Donc, l'événement a beaucoup changé. Ça devient un événement organisé entièrement par des autochtones. Et suite à des plaintes, en fait, des chefs du village Bororo, le village qui est un peu plus défavorisé,
qui disait en fait que leur candidat ne se rendait jamais en finale parce que, d'un, la sélective avait lieu dans l'autre village, ils avaient des difficultés pour se rendre. Les routes sont en général pas en très bon état dans ce village-là. En plus de ça, les jeunes de ce village sont plus timides, sont moins habitués à avoir des interactions avec les allochtones, donc ont des manières d'agir et tout, qui faisait en sorte qu'ils n'étaient jamais sélectionnés. Donc, ils décident de faire deux sélections dans chacun de ces deux villages-là. Ils ont aussi pris un candidat masculin et un féminin qui vivaient à l'extérieur de la ville à Dorados. Et la particularité de ce concours, c'est qu'il y avait la première trans autochtone qui voulait participer et ça a créé énormément de remous, beaucoup de problèmes et de disputes par rapport à ça. Le chef ne voulait pas qu'elle participe et finalement, les organisateurs décident de créer une troisième catégorie pour elle pour qu'elle ne compétitionne pas contre les filles. Voilà. Sinon, il rajoute énormément de présentations culturelles en ouverture et aussi en fermeture de l'événement. Donc, rapidement, un petit portrait de l'événement. C'était un événement extrêmement attendu qui regroupe près de 3000 personnes. C'était le concours le plus compétitif que j'ai pu observer et le plus organisé et structuré que tous les autres. Il y avait un souper de lancement avec les commanditaires coiffure et maquillage professionnel, ce qui était une occasion unique là, pour la plupart des jeunes. Un atelier avec un professionnel de l'art du défilé qui montrait une chorégraphie, etc. Ils avaient même des contrats à signer pour la divulgation des photos, ce genre de choses. Ils devaient défiler une première fois en tenue de ville, donc avec des pantalons et puis le chandail de l'événement. Et une deuxième fois en habit typique. Les juges étaient moitié-moitié allochtones, autochtones. Parmi les allochtones, c'était surtout des gens qui avaient contribué soit financièrement, soit qui avaient donné des dons pour les prix, ce genre de choses, ou des professeurs des universités voisinantes. Parmi les autochtones, c'était des autochtones qui venaient d'autres réserves, parce que pour éviter les conflits d'intérêts. Mais là, il y avait eu un scandale parce qu'il y avait pratiquement que des juges terrennes qui s'étaient présentés, en fait, et un seul juge guarani. Les critères d'évaluation, c'était donc la sympathie. Alors, c'est vraiment le sourire, la manière d'interagir avec le public, la désinvolture, donc la démarche, les poses, peinture corporelle et habit typique. Et là, je tiens à dire que c'était écrit, mais ce n'était pas expliqué ou décrit comment les juges devaient juger, en fait. Je ne pourrais pas vous montrer des vidéos, il me reste très peu de temps, donc je vous montre quelques photos rapidement. Je peux dire que lui, les Kiowa, Guarani, les Terennes sont faciles à identifier parce qu'ils ont des jupes en plumes d'émeu. Ici, on a les candidates féminines et puis on peut voir qu'il y a plus de diversité au niveau des habits typiques, des matériels utilisés. Ici, ce sont des graines, différentes graines de plantes de la région qui sont tissées ensemble pour faire les habits typiques. En rouge, c'est les Terennes, en blanc, les Guarani, et ceux qui ont des plumes et des tissus, c'est les Kiowa. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport aux gagnants, de un, parce que c'était deux Terennes, encore une fois, et ensuite, on critiquait les habits de la gagnante. Certains disaient qu'ils étaient trop simples, par rapport à la complexité d'autres habits typiques qui avaient été tissés avec les graines, etc. Alors que d'autres disaient non, c'est ça les habits les plus authentiques, les plus traditionnels. Parce qu'en fait, le tissu utilisé, c'est des sacs de riz, en fait, qui ont été lancés au terrain quand ils sont arrivés dans la région parce qu'ils n'étaient pas assez habillés. Et donc, c'est ce tissu-là qu'ils utilisent pour tous les rituels traditionnels. Ils vont les peindre et les coudre de différentes manières, notamment les danses des femmes. Ensuite, on critiquait, je vais vous montrer des photos un peu plus loin, on critiquait le fait qu'un des parents était allochtone pour les deux candidats et donc qu'ils avaient des traits occidentaux et qu'ils ne représentaient pas les jeunes de la réserve, particulièrement les Guarani et les Kiowa. Et ça, on disait, et ça, c'est eux qui me disaient ça, que les Guarani et les Kiowa étaient plus petits, plus foncés, qu'ils avaient... Il reste à peu près 30 secondes. Okay, je vais on pourrait y revenir dans les questions.
qu'ils avaient des nez et des bouches un peu plus proéminentes, donc ils n'étaient pas représentés. Donc, on critiquait beaucoup que c'était des Telena qui gagnaient à cause qu'ils avaient des traits occidentaux, souvent des personnes de Jaguapilu qui gagnaient. Et ça fait en sorte, en fait, que l'année suivante, ils voulaient séparer les concours pour que ça soit plus adapté aux deux réalités. Donc, ça, c'est les vêtements qui sont utilisés pour les danses. Et puis, on voit qu'ils sont très similaires entre les concours et les danses pour les hommes. Donc, il y a beaucoup moins de différence de créativité à ce niveau-là. Pour conclure très, très rapidement, les différents acteurs voulaient différentes choses. Et donc, il y a énormément de critiques. Bon, je reviens encore là-dessus sur les gagnants, les personnes qui sont sélectionnées. Certaines personnes promouvoient la complexité de leur travail, là, comme les artisans, la créativité, etc., alors que d'autres, les familles, par exemple, des participants, même les participants eux-mêmes, là, qui ont certaines orientations personnelles, les organisateurs, parfois, promouvoient vraiment de montrer ce qui est seulement Terem, seulement Guarani, seulement Kaiowa, ce genre de choses. Donc, ça crée énormément de conflits par rapport à ça. Je pense que je vais devoir m'arrêter ici, mais je vais conclure simplement que à travers les concours, c'est un espace qui favorise les négociations entre différents acteurs autochtones, allochtones, différents groupes aussi au sein des autochtones, tant sur le plan de l'authenticité de la culture, des conceptions de la beauté, j'en ai un peu moins parlé, mais aussi sur le plan politique. Il faut dire aussi que, ironiquement, c'était un des événements qui réunissait les deux villages, un des seuls événements qui réunissait les deux villages, les chefs des deux villages, alors que quand il y avait des problématiques au niveau de la santé, de l'accès à l'eau potable, ce genre de choses, ils étaient pas mal divisés, ils négociaient les choses de leur côté. Et puis, ça faisait donc en sorte, qu'ils avaient moins de poids, en fait, dans les négociations. Juste pour terminer très, très rapidement, un des plans des organisateurs pour les prochaines années, c'était de se servir des concours prochainement pour faire des discours au début, pour promouvoir justement le fait de travailler ensemble l'amélioration de certains services de santé, parce que c'était un des seuls moments où c'était facile de réunir tout le monde. Je vais terminer comme ça, parce que voilà. Merci pour la présentation. C'est vraiment super intéressant. Puis on voit, c'est ça, le processus de recherche pas encore conclu, là, que c'est les résultats qui... Mais c'est foisonnant, puis intéressant à suivre l'enthousiasme de la recherche qui se construit. Puis c'est une étude de cas aussi qui est, j'ai juste le mot surprenant, mais en même temps pas tant que ça, mais qui révèle les tensions historiques qui ont été amenées par des pratiques coloniales. Puis ça, il y en a à plusieurs endroits dans le monde. On pense, l'exemple classique, c'est le Rwanda, mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point ça perdure dans le temps. Donc, merci pour... oui. Ben, vous pouvez réagir. Oui, tout à fait. Ça faisait absolument partie de mes conclusions. C'est ça, j'aurais pu développer un peu plus là-dessus, mais bon, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Okay. Au colloque de l'année prochaine. On va y aller donc avec la période de questions. Il nous reste 10-15 minutes environ pour le deuxième panel. Donc, j'invite les panélistes à allumer leur caméra. Pour les participantes et participants qui ont des questions à poser, vous pouvez lever la main si vous êtes sur Zoom, les poser dans les commentaires sur Facebook, on a quelqu'un qui vérifie le Facebook Live, ou dans le Q&A, le question-réponse sur le webinaire. Donc, on a déjà une première question de la part de Julia Dubé qui s'adresse aux deux premiers panélistes. Et qui demande quelles sont les organisations inuites qui travaillent à répondre aux enjeux du système de santé au Québec. Donc, je vais laisser Christopher répondre, puis si j'ai d'autres choses à rajouter, je le prie. Ouais, ben, ça dépend de où au Québec. D'abord, au nord du 55e parallèle à Nunavik, c'est le Nunavik Regional Board of Health and Social Services qui prend en charge
la santé pour la région, pour tous les citoyens, les Inuits surtout. Au sud du 55e, il n'y en a pas. Il y a des organisations inuites qui représentent un peu les Inuits de façon générale. Il y a le SQIA, Southern Quebec Inuit Association, qui a dans son mandat de développer et d'offrir des services aux Inuits, services sociaux surtout, mais il n'y a pas d'organisation telle quelle qui travaille directement avec le système de santé. Il y a une table à Montréal autochtone, MIHAC, qui joue un peu ce rôle-là, mais c'est en développement. En fait, c'est des bonnes questions. Qui fait quoi dans un contexte où les choses sont en émergence? On est vraiment littéralement là-dedans cette semaine pour essayer de comprendre comment les choses peuvent évoluer. J'espère que ça marche comme réponse, Mathilde. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, ben, je voulais renchérir un peu parce que Christopher t'en a parlé dans ta présentation, mais l'éternel enjeu, disons, en ville, c'est qu'il y a des services pour les Autochtones urbains en règle générale, mais jamais, en fait, à Montréal, il n'y en a pas pour les Inuits particulièrement. Fait que ça, c'est une problématique assez importante parce qu'on, dans l'étude qu'on a fait, on a vu qu'à Ottawa, qui ont vraiment développé des services là, spécifiquement dédiés pour les Inuits en santé, mais aussi des services sociaux, même des cours de langue, des garderies, des trucs comme ça, ça a vraiment un impact positif là, sur la communauté Inuit d'Ottawa. Fait que c'est Christopher disait qu'on est dans le cœur de la discussion en ce moment, puis c'est ça, on essaie de faire un peu la même chose à Montréal, là, de développer des services qui vont vraiment répondre à ces besoins-là en particulier, mais c'est vraiment l'enjeu central en ce moment, c'est pour tous les Autochtones, pas juste pour les Inuits. Voilà. Donc, si je comprends bien la réponse, c'est qu'il n'y en a pas encore. Pas encore. Ben, puis il y a un enjeu politique dans le sens que les régions socio-sanitaires sont des régions géographiques définies. Donc, à Nunavik, ils n'ont pas droit ou mandat d'offrir des services en dehors de la région. Donc, c'est un problème ou un empêchement systémique qui fait que c'est très difficile de développer des services. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné le développement des organisations et de la capacité inuit dans les organisations inuites dans le sud. J'avais une question aussi à laquelle je pense que tout le monde pourrait répondre, mais si je ne me trompe pas, c'est dans la présentation de Mathilde. Il y avait la question de la domination épistémique de la biomédecine. Donc, c'est la difficulté de traduire entre le langage d'une discipline, donc de la médecine, vers, même si c'est dans la même langue ou dans une langue différente, c'est vraiment le langage conceptuel. Puis j'ai l'impression que ça s'applique aussi dans le service de police, mais également dans la définition de la beauté, donc dans la dernière présentation. Je sais que j'ai l'impression qu'on s'en allait vers ça. Donc j'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus, puis sur comment ce concept-là peut s'adapter aux différents services ou thématiques. N'importe qui. Ben, moi, j'en ai déjà un peu parlé, donc je laisserai peut-être la parole aux autres panélistes. Pardon. Oui, ben si je parle rapidement de la beauté, en fait, c'est très complexe parce que c'est la conception de la beauté a été aussi très diffusée à travers les médias depuis longtemps, mélangée à des standards de beauté brésiliens, occidentaux, et surtout dans cette réserve-là, il y a différentes communautés autochtones qui ont différents physiques, donc ont différentes idées de la conception de la beauté et tout ça s'était vraiment mélangé. Il y avait plein d'opinions différentes. Chez les Télen, à l'extérieur, dans d'autres réserves, en général, ils sont un peu plus bien en chair, si je peux dire ça comme ça. Et donc, en fait, un des changements majeurs, c'était une priorisation de la minceur là, à travers les concours. Même s'il le niait souvent, quand la personne qui gagnait ne respectait pas certains standards, il y avait énormément de critiques. Donc, c'était vraiment dans l'informel, en fait, que ça se traduisait. Mais c'est tellement mélangé maintenant que c'est difficile.
c'est difficile de trancher d'un côté ou de l'autre maintenant, en fait. Ouais. On pourrait aussi ajouter, Léa et moi, sur la base du rapport de recherche qu'on a coproduit, la question de la collaboration. Je pense que Léa en a déjà parlé, mais la notion de collaboration ne semble pas être perçue de la même façon par le SPVM qu'elle ne l'est par les milieux autochtones et communautaires à Montréal. Léa soulignait le fait que collaborer pour le milieu autochtone et communautaire, c'est notamment une collaboration basée sur la confiance, une collaboration aussi qui reconnaît les expertises autochtones. Du côté du service de police de Montréal, on nous a notamment dit on connaît les besoins. Donc, on connaît les besoins et on veut aider. Et ça donnait l'impression que ce besoin d'aider, il venait un peu effacer la nécessité d'écouter et de partir des perspectives et des expertises autochtones. Alors, voilà, c'est un exemple. L'autre exemple, peut-être, ce serait celui de la compréhension commune de la notion de disparition. Ça a déjà été soulevé par le rapport de 2015 de Femmes autochtones du Québec, Debout et solidaires. Le fait que disparition ne signifiait pas seulement le fait de ne plus être présente, ça pouvait être aussi le cas de femmes autochtones qui s'isolent en fait pour différentes raisons. Dans le cas de Montréal, ce qu'on a rencontré, c'est le fait que pour le SPVM, la réponse a souvent été on a 100 femmes de disparues, 100 femmes de retrouvées, donc le travail est fait. Et très peu dans un esprit de prévention en fait, des disparitions, qui est aussi la mission du SPVM, que de protéger l'ensemble des citoyens et des citoyennes autochtones et non autochtones de la ville. Alors, voilà. Merci, merci. On a une prochaine question de M. Laurent Desbois, qui, je vois, a ouvert sa caméra. Donc, M. Desbois, vous pouvez... on devrait pouvoir vous entendre. Pour le micro, vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, là, ça fonctionne. Je suis vos délibérations depuis 2 jours. Et vous prêchez un peu par où vous prêchez, dans le sens qu'on parle d'être sur le terrain, de faire impliquer les gens, et sauf l'introduction où on nous a parlé de la gestion du COVID sur les réserves, je vois très peu d'Autochtones et très peu de personnes qui sont du milieu. Ça semble géré à partir de Québec et Montréal. Mais ma question... J'aurais voulu, et je tiens à vous dire d'entrée de jeu, je suis autochtone. Ça va démystifier ça. Et oui, il y a du racisme au Québec. Ça fait 2 choses de régler. Mais je trouve qu'il y a très peu de comparaison qui se fait, sauf l'épisode sur le Brésil, entre la situation du Québec et de Montréal et le reste du Canada, entre autres, ou même aux États-Unis. Je veux dire, J'ai eu la chance dans mes voyages de voir le Winnipeg, de voir Toronto, de voir le East Side de Vancouver, où il y a eu 50 femmes de tuées, je vous rappelle, il y a quelques années. Je n'ai pas vu ça à Montréal, je n'ai pas vu ça à Toronto. Et la question pourrait s'adresser un peu à tout le monde, mais je vais l'adresser aux deux dames qui parlaient de la condition des femmes. Je pense que c'est important de comparer. Et je parle de ma famille. Là. J'ai vécu en communauté pendant plus de 20 ans avant de choisir de vivre à l'extérieur de la communauté. Je trouve que des fois, la différence n'est pas si différente entre les Autochtones dont je fais partie et les, en parenthèse, blancs, qui est une notion que j'ai de la misère aussi. Là, mais... Entre autres, les rapports, on parle des femmes à Montréal puis de la police de Montréal. L'enquête fédérale sur les femmes disparues et autres, en 1980 et 2012, il y avait 46 femmes d'identifiées au Québec durant ces années-là et 1017 dans le reste du Canada ou pour tout le Canada. Ça ne se compare pas, c'est chiffré, puis pas par moi, là. C'est par les associations de femmes autochtones. 90% des femmes tuées autochtones sont faits par des Autochtones. C'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire dans l'Est de Montréal, ou par les Purlines, comme on dit. Et je pense que si on veut adresser le vrai problème,
ou le problème de façon plus réaliste, disons, faudrait voir la réalité et pas imaginer des choses. Et je pourrais continuer de même, je veux dire, les femmes tuées au Québec, ça représente 3 % autochtones. La moyenne canadienne est de 16 % Dans l'Ouest, là, Alberta, Saskatchewan, c'est dans l'ordre des fois de 50 %. Et je prends juste le cas des femmes, pourquoi? Mais je pourrais, cas par cas, là, vous donner un exposé de cet ordre-là. Et ce que je trouve, ce qui manque beaucoup dans vos recherches, en tout cas, finalement. La réalité, c'est ça. En tout cas, c'est la réalité que j'ai vécue, que j'ai connue et que je suis toujours très en contact. On fait une grosse notion, et je complète là-dessus, sur les distinctions. C'est vrai qu'au Québec, on a reconnu 10 nations. Bien, je peux vous dire que dans ma communauté, à moi, à cause de ma sœur, de mes cousines, d'une tante, et maintenant les petites cousines, leurs enfants, il y a des cris des Ojibwés, des Algonquins, et on a même le malheur depuis pas longtemps d'avoir un Micmac parmi nous. Je tiens à vous dire qu'ils ne parlent pas leur langue autochtone, même s'ils sont en communauté, et j'ai beaucoup de misère à identifier une grosse différence culturelle. Je vous remercie pour votre question. Je pense qu'on peut laisser Mme Farget et Serrier réagir. Écoutez, merci Monsieur Desbois pour votre commentaire. Alors, le rapport de recherche reconnaît le fait que les présences autochtones à Montréal sont complexes et sont multiples, que les va-et-vient entre Montréal et les communautés existent également. C'est quelque chose de documenté, donc qu'il n'y a pas de frontière ou de séparation étanche entre Montréal et les communautés. Quant à savoir la situation des femmes en général et des disparitions de filles et de femmes en général, qu'elles soient autochtones ou non, notre recherche ne portait pas sur cette problématique si générale. Elle visait vraiment la réponse du SPVM en cas de disparition et d'assassinat d'une fille ou d'une femme autochtone. C'était la problématique précise couverte par la recherche. Il y a d'autres recherches qui documentent la relation du SPVM avec les femmes en général. On sait par ailleurs, et on n'est pas la première recherche à le documenter, je pense notamment au rapport Harmonie, publié un peu plus tôt l'an dernier, donc rapport conduit par mes collègues Victor Harmonier et Al à l'UQAM sur le profilage racial au sein du SPVM, c'est quelque chose qui est aussi documenté. Enfin, le dernier point, c'est qu'il y a quand même une relation particulière qui a été développée entre les services de police et les peuples autochtones, une relation historique, une relation de méfiance aussi, bâtie par le rôle que les policiers, les services de police ont joué dans l'histoire du colonialisme. C'est un rapport qui est documenté, ça aussi, notamment par la commission Viens, de manière très précise pour ce qui est du Québec. Enfin, pour ce qui est de savoir qui tue les femmes autochtones à Montréal, notre rapport n'a pas ciblé cette problématique-là. Il y a des multitudes de raisons. Les disparitions sont complexes aussi, les assassinats sont complexes et il n'y a pas qu'une source. Notre rapport ne vise pas à dire que le SPVM tue les femmes autochtones, mais que par sa réponse défaillante à plusieurs égards, le SPVM ne contribue pas à aider la situation. Alors là-dessus, je vous invite à regarder peut-être la deuxième partie, le premier point de la deuxième partie de notre rapport. Voilà, merci. Je ne sais pas si Léa, tu souhaitais rajouter quelque chose. Non, mais je pense que je n'ai pas tout à fait saisi la question des comparaisons. C'est sûr que ce rapport-là a voulu se concentrer sur Montréal parce qu'on s'intéressait au Québec et qu'on a choisi Montréal parce que c'était la ville en termes de complexité, puis de différence, puis de nombre aussi de femmes autochtones, de présence de femmes autochtones. C'était comme la ville qui a été choisie pour le but de la recherche, mais Femmes autochtones du Québec a écrit énormément de rapports sur cette situation-là à travers tout le Québec. Puis on précise à chaque fois que ce n'est pas un phénomène propre au Québec. C'est sûr que c'est un phénomène canadien et même j'irai plus loin parce que ça concerne aussi les États-Unis, concerne toutes les nations dans lesquelles les peuples autochtones sont discriminés. Ce phénomène-là est vraiment comme quasiment mondial.
Donc, c'est pour ça, je sais pas trop quelle était vraiment la question sur les comparaisons par rapport au nombre de disparitions et d'assassinats qu'il y a au Québec versus le reste des provinces. C'est sûr que le nombre de femmes autochtones influe aussi sur la population autochtone dans l'est du pays versus le reste des provinces est différente. On est moins nombreuses au Québec que dans les autres provinces. Alors, je ne sais pas si ça répondait à toutes vos questions ou si on a mal compris la question. Non, il y avait effectivement juste une question. J'ai lu beaucoup de rapports et j'ai compris ce que nous avez transmis. Ma question était, est-ce que vous pouvez me référer une étude où je pourrais comparer la situation du Québec par rapport aux autres provinces du Canada? Moi, je vous ai cité un rapport qui est celle des femmes disparues d'Ottawa, qui le chiffre qu'il y a, il y a deux chiffres que je vous ai cités, mais je n'arrive pas à prendre d'autres. Qu'en 1980 et 2012, il y en a eu 46 au Québec et 117 dans tout le Canada. C'est éloquent, ça. C'est éloquent. Je veux dire. Et il y a 3 % au Québec et 16 % à la moyenne canadienne. Et dans certaines autres provinces, c'est plus que 50 % et je veux dire, il faut relativiser l'affaire. Juste en se promenant dans... Êtes-vous, tu sais, une petite marche dans l'East Side de Vancouver, je vous lance un défi de trouver ça quelque part à Montréal ou dans le nord de Winnipeg. Je pense que la discussion serait très intéressante à poursuivre. Par contre, le panel tire à sa fin, donc je pourrais inviter peut-être les panélistes à ajouter le lien, à nous envoyer le lien pour le rapport de Femmes autochtones Québec. On va pouvoir le mettre sur le site web dans le programme. Juste avant de conclure, j'aimerais donner la parole à M. Fletcher, puis Mme Motard. Donc, pour conclure la session, je ne voulais pas couper personne, mais on commence à manger du temps de la pause. Oui, je pense que Geneviève Motard avait sa main élevée avant la bille. Je vais laisser parler. Non, vas-y, Christopher, je t'en prie. OK. juste rapidement, 3 petits points. Là. Donc, je ne vois aucunement pourquoi une comparaison de Vancouver versus Nord de Winnipeg versus Montréal est pertinente. Il y a assez de souffrance pour tout le monde. Hein. C'est le cas. C'est simple. Et c'est ça qui compte pour tout le monde, je crois. Deuxièmement, je suis entièrement d'accord avec vous. Des fois, on présume que les causes sont, ou là, on fait une association entre l'identité autochtone et peu importe, là, les résultats sociaux, sanitaires, légaux. Puis en fait, on oublie le phénomène de la pauvreté, des inégalités, de la discrimination, entre autres. Donc, il y a une partie qui est cachée des fois, qui le statut social est prévenu, entre autres. Et puisque vous l'avez soulevé, d'où notre projet est en partenariat avec l'organisation autochtone, un partenariat d'EGO, soutenu par plusieurs autres organisations autochtones. Donc, qu'est-ce que je suis et aucunement pertinent non plus, je crois. Nous faisons ça ensemble pour un objectif collectif déterminé ensemble. Merci. Merci beaucoup. Votre réponse est très bonne. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Très, très rapidement, en fait, je veux simplement, je vois que le temps passe, mais très rapidement, deux questions. Une pour Marie-Charlotte Pelletier. Je me demandais juste, est-ce que l'industrie touristique a commencé à, disons, se mêler de ces concours ou ça reste encore, disons, du point de vue... À l'échelle de l'échange culturel, là, parce que j'ai eu l'occasion là, de travailler à Hawaï notamment, puis les questions des danses ont été reprises là, par l'industrie touristique, là, puis je me demandais si c'était la même chose dans le cadre de votre, si vous aviez vu ça dans votre étude. Là. Puis j'avais une autre question, mais je ne suis pas sûre qu'on va avoir le temps, là, c'est vraiment sur la portée du concept de sécurité culturelle. Là. J'ai vu que Christopher, Mathilde aussi, je pense, avait beaucoup de critiques. Je vois que le panel tire à sa fin, mais
j'aurais aimé vous entendre les raisons de votre critique sur ce concept qui est très utilisé là, dans les derniers mois, dernières années. Merci. Oui. Je vais peut-être répondre à la première question. Ça va être assez rapide, en fait. Heureusement, non, pas encore. Par contre, mais il y a des Autochtones qui étudient en tourisme qui, eux, sont les organisateurs de certains concours au sein des réserves. Donc, oui, dans ce sens-là, mais il n'y a pas d'Alloctones qui travaillent sur des événements touristiques qui organisent des concours. Et pour l'instant, ces organisations autochtones organisent les concours vraiment au sein des réserves. Et le seul public sont les Autochtones de la réserve. Donc, en fait, ils réussissent plus ou moins leur effort touristique. Mais ça va peut-être changer au fur et à mesure des années. Mais pour l'instant, c'est les seules initiatives touristiques sont réalisées par des Autochtones. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer au niveau des représentations, ce genre de trucs. Mais pour l'instant, c'est ça qui existe. Voilà. Merci. Christopher, je ne sais pas si tu voulais parler de la sécurisation culturelle. Oui, ben, en fait, tu as répondu à ta propre question. Tout le monde le fait actuellement. J'ai rien contre la sécurisation culturelle. C'est une étape nécessaire dans le développement de tout service pour tout le monde. Hein, ce n'est pas juste les Autochtones. Mais c'est, depuis le décès de Joyce Atchikwan, tout le monde est là-dedans. C'est comme, j'ai peur qu'on est devant une situation où c'est la pilule magique pour des problèmes qui sont beaucoup plus profonds que ça. On a besoin des changements systémiques, on a besoin de main-d'œuvre santé légale, etc., autochtone. On a besoin de beaucoup plus de choses. Un training de 3 heures ne va pas changer grand-chose pour l'ensemble des gens. Pour certaines relations, peut-être. Bon, je suis toujours très optimiste, là, mais c'est un outil dans le coffre à outils. Mais il faut que quelqu'un d'autre tienne le coffre à outils, selon moi. Ben, c'est ça, juste pour peut-être enchérir sur ce que Christopher disait. C'est pas qu'on est contre ce concept-là, pas du tout. Et au contraire, c'est très pertinent, mais je pense aussi que c'est utilisé un peu comme un mot valise en ce moment, comme la solution miracle. Un peu à tout, mais en fait, il y a beaucoup, juste la notion, le concept même de sécurisation culturelle n'est pas encore super bien défini, dans le sens qu'il y en a qui le voient comme un processus, il y en a qui le voient comme un résultat, et il reste beaucoup de questions sur comment opérationnaliser ce concept-là, comment on le met en place concrètement en milieu clinique. On se pose aussi des questions sur comment on évalue après ça la mise en place de ces pratiques-là en milieu clinique pour voir si ça fonctionne ou pas. Puis je sais qu'il y a des super belles recherches là, qui se déroulent en ce moment puis qui travaillent là-dessus, notamment le travail de Marie-Claude Tremblay qu'elle a présenté hier. Donc, je pense que c'est ce genre de recherche-là qu'il faut encourager pour vraiment aller au fond de ce concept-là pour être capable de l'appliquer après, qui sont nécessaires en ce moment. Mais c'est ça, on est pour ce concept-là, on veut juste en savoir plus. Merci. Donc, c'est merci, Geneviève, pour les questions. Je pense que c'est ce qui conclut le panel. Je tiens à remercier encore une fois tous les panélistes. C'était vraiment très intéressant. Avez-vous intéressé le prochain panel qui porte sur les savoirs, recherche et pédagogie au service du bien-être est à 15 heures, donc dans une quinzaine de minutes. Le lien pour s'inscrire vient d'être ajouté au chat. Donc, pour ceux qui ont cherché les liens pour les derniers panels, celui-là va être plus facile. Puis je rappelle encore une fois la soirée artistique ce soir à partir de 19h sur notre page YouTube. Merci. Donc, merci à tous. Est-ce que Geneviève, il y avait un mot de la fin? Non, non, pas du tout. Tu viens de le faire. Je vous invite donc au panel 3, puis on se rejoint sur le prochain lien dans quelques minutes. Donc, un grand merci aux panélistes. Merci Ariel pour cette présidence impeccable. Et donc, on se rejoint dans quelques minutes. Restez des nôtres.